semble tout à fait pertinent et intéressant de pouvoir croiser d'autres professionnels, d'autres exécutives de l'industrie du sport et de pouvoir partager, d'échanger sur les meilleures pratiques, qui est un sujet qui manque parfois dans le domaine du sport où, faute de temps, on travaille énormément dans son coin, chacun de son côté. Donc l'occasion de se retrouver est une opportunité assez intéressante pour échanger et prendre ce qu'il y a de mieux dans chaque organisation que l'on a l'occasion de rencontrer à l'occasion de ce panel. Oui, je crois que, en observation, je crois que c'est quelque chose qui est tout à fait bien mené et qu'il faut encourager parce que, en réalité, c'est dans un partenariat entre le sport et les différents annonceurs que le sport se développera. D'abord, j'étais ravi d'être invité. Ça m'a permis de parler un peu de la Ryder Cup et de la faire un peu plus connaître auprès des professionnels du sport business. Et ce type d'entretien est évidemment très important pour moi en tant que chairman du comité d'organisation. Et pour nous, c'est une source d'inspiration pour que finalement nos pays africains puissent en effet s'engager dans les organisations des événements sportifs. Je pense que les initiatives qui visent à regrouper en un même lieu, dans des formats courts ou des formats plus longs, autour de thématiques partagées qui sont le cœur du quotidien des exécutifs du sport, est une démarche intéressante qui doit effectivement perdurer. eSport Connect est le leader en termes de plateforme pour les sportifs et pour le sport business et je pense que la communauté sport business avait besoin de ce plateau technique et je pense qu'il est voué à un grand avenir et qu'il va forcément se développer et que, en tout cas, moi qui n'étais pas forcément utilisateur au départ, vous voyez, je vais l'utiliser et je pense que la Ryder Cup en aura besoin. Donc on est ravis d'avoir ce genre de soutien et ce genre de plateforme. Thank you.